On se dit que rien ne va pour l'Algérie à ce moment-là. Oui, effectivement, mais en même temps, c'est une équipe qui est fébrile défensivement depuis le début de ce tournoi. Elle a concédé deux pénaltys, notamment, gérant mal l'animation défensive. Il n'y a aucune surprise à la voir prendre des buts comme ça sur des coups de billard. Oui, effectivement. Vous savez, lorsque une équipe comme la Mauritanie, qui n'était pas favorite, arrive à avoir un résultat, il faut forcément avoir un bon gardien. Et Niass était dans un bon jour, c'était important pour pouvoir garder cet avantage. Bah ouais, la réussite vous l'a provoqué. Si l'Algérie est maladroite devant le but, c'est parce que c'est surtout, pour le coup, pas un manque de qualité, mais un manque de spontanéité dans le dernier geste. Et c'est des actions qu'on a vu se répéter le long de ce tournoi et qu'on avait vu se répéter le long du dernier tournoi au Cameroun, parce que finalement, c'est presque, comme on dit, un copier-coller de ce qu'on a vu au Cameroun, cette Algérie face à la Mauritanie. 16 tirs, 6 cadrés pour l'Algérie, 2.03 en expected goals, hein, c'est-à-dire la probabilité de convertir les occasions de buts, c'est-à-dire qu'on aurait pu marquer plus de 2 buts aujourd'hui avec l'Algérie, finalement ils n'en ont pas marqué. Et l'élimination, donc, puisque la Mauritanie s'impose 1-0 et se qualifie pour les huitièmes de finale. C'est ça. Il y a deux infos incroyables dans ce que vous venez de dire, dans votre dernière phrase. L'élimination de l'Algérie, on y reviendra dans un instant, mais j'ai envie de donner la primauté, évidemment, à celui qui s'est qualifié. C'est Amir Abdou, le sélectionneur de la Mauritanie. On l'écoute au micro de Moussavou Billa. Ça va, coach? Félicitations, beaucoup d'émotions. Ça va, vous avez souffert? Ouais, on a souffert. On a souffert, donc après, bon, on a mis un plan de jeu qui a réussi. On savait que cette équipe, elle était qu'elle avait des grosses individualités. Voilà, on a été solide, on a marqué sur une situation de jeu. Et après, bon, à la grinta, à l'état d'esprit, l'envie et voilà, je suis très fier de ce qu'on est en train de réaliser. Une grinta, coach, vous commencez une compétition avec 2 défaites. Jusqu'où vous êtes allé quand même chercher cette force aujourd'hui pour revenir? Eh ben, déjà, quand vous regardez hier... Toi, je veux te tuer. Le président. Beaucoup déjà, de joie, beaucoup de joie. Ouais, tout le monde. Déjà, comme je vous l'ai dit, hier, je regarde Canal+, il n'y a pas un résumé de nous, il n'y a pas la composition de nous. Et bien là, aujourd'hui, ben voilà, on vous a répondu, présent. Ça vous a fait quelque chose? C'était un stimulant quand même. Bien sûr, c'est un stimulant. Quand je vois qu'on ne pensait pas à la Mauritanie, ben moi voilà, ben nous les joueurs on a cru. Et puis voilà, le football c'est comme ça, c'est plein de surprises. Et puis voilà, donc aujourd'hui on est récompensé avec tout le travail qu'on a réalisé. Et grosse résistance, surtout en fin de match quand même, coach. Comment? Grosse résistance quand même face à la Bien sûr, après, l'état d'esprit a été l'envie. Et puis voilà, tous les joueurs avaient faim. Et puis voilà, on a réussi à atteindre cet objectif de gagner contre l'Algérie. On va où jusqu'au bout? Ben je sais pas, on va attendre. Je sais pas si on est qualifié ou pas, quoi. Qualifié, félicitations, coach, vous êtes qualifié. Félicitations. Ben Philippe me confirme qu'on est qualifié, alors ben on est qualifié, merci, super. Voilà pour l'interview d'Amir Abdou, le sélectionneur de la Mauritanie. Vous avez 100 fois raison de nous mettre à l'amende, Amir. On aurait dû plus assister, bien sûr, sur cette équipe-là. Mais c'est vrai qu'avec 2 défaites en 2 matchs, on n'imaginait pas un tel exploit. Comment est-ce que vous l'analysez côté mauritanien? Côté mauritanien, c'est peut-être parce que nous avons oublié que ce coach, Amir Abdou, l'avait déjà fait avec les Comores. Exactement. Justement. Et sur le même scénario, c'est-à-dire 2 défaites puis une victoire. Exactement. Et puis je pense qu'il est aussi temps, bon, forcément, de féliciter les joueurs, mais de féliciter aussi cet homme qui prend des challenges qui ne sont pas évidents et qui arrive à réaliser des espoirs. Donc, je suis content. En plus, c'est un Marseillais. Donc, vous imaginez bien que moi, ça peut me faire que plaisir. C'est ça. Et on a vu son président de fédération qui y est pour quelque chose aussi, parce que c'est lui qui l'a ramené, lui faire un énorme bisou à un moment. Je crois que c'est lui. Hein. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de cette Mauritanie dont on n'a pas assez parlé? Ça, on le concède volontiers, mais on va finir par en parler. Hein. Je pense qu'on en a parlé lors de leur deuxième match. On a beaucoup parlé du coach. Oui, c'est vrai. On avait beaucoup mis Claude Leroy était particulièrement élogieux. Ouais, pour son travail à bâtir avec le Comore et ce qu'il était en train de faire avec la Mauritanie. C'est ça, après avoir entraîné le club de Nouadhibou. C'est hein, ça, au pays. C'est ça. Donc du coup, moi, franchement, cette équipe-là ne me surprend pas. Parce que contre le Burkina, on a vu qu'elle avait causé énormément de problèmes au Burkinabé. On marque dans les arrêts de jeu sur un pénalty. Et je savais qu'ils allaient avoir leur mot à dire. Et l'Algérie, elle était prévenue que voilà, c'était une bonne équipe, que ça pouvait être un match très très compliqué.
Et voilà, ils ont démontré sur le terrain avec beaucoup de courage, avec leur qualité à eux et beaucoup d'engagement. Et ils marquent un but à l'image de leur équipe, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de physique et voilà. La qualification, elle est méritée pour moi. Elle est méritée, bien évidemment. Mille bravo à cette équipe des Mourabitounes. On attaque maintenant le dossier des Fennec, dont la fébrilité défensive était patente ce soir. Oui, 17 tirs pour la Mauritanie. 17 tirs plus que l'Algérie hein, dans ce match et 7 cadrés pour les Mourabitounes. On rappelle, les Algériens sont désormais à 6 matchs de suite sans victoire dans cette phase finale de Cannes. Et on a vu Nabil... Beaucoup d'approximité défensive, beaucoup de nervosité également côté algérien. On sentait une équipe vraiment sous pression et ça s'est ressenti tout le match. Eh ben Isaac, vous avez utilisé le mot exact. Beaucoup de nervosité à l'image de son sélectionneur Djamel Belmadi. On va voir une image d'ailleurs. On revoit effectivement les situations, mais bon, c'est une équipe. Moi, je peux vous dire, on peut toujours discuter du contenu, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais. La défense, elle est lente. Le milieu, il n'a pas été au rendez-vous. Il n'y avait pas une passe vers l'avant. Il y avait des joueurs absents. Offensivement, mais pour moi là, c'est pas l'Algérie qui est éliminée là ce soir, c'est Djamel Belmadi, tout simplement. C'est l'élimination d'un coach qui a pas su mettre une équipe assez compétitive. Il a fait 5 changements pour le dernier match, donc ils ont perdu de la cohésion. Et pour moi, 5 changements, comment vous les expliquez? Parce que pour le Burkina Faso, on a compris qu'il s'agissait de gérer l'effectif. Il a perdu le fil, tout simplement. Il y a trop de surprises dans cette canne. Trop de surprises. Cette canne nous réserve. Cette canne nous souffre des émotions, des surprises. Bref, il y a plein de choses. L'Algérie se fait sortir au premier tour. Le Ghana se fait sortir au premier tour. Il y a l'Angola qui sort au premier de sa poule. Bref, il y a trop de surprises dans cette canne. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des surprises de la canne. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu es un fier de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est fait. On est parti. Alors, cette canne, les amis, c'est incroyable. La canne de la surprise. C'est la canne des surprises, les gars. C'est la canne des surprises. Tu as l'Angola. L'Angola, les gars, avec tout le respect. Avec tout le respect que j'ai pour l'Angola. L'Angola sort primé de la poule. L'Angola. Alors qu'à la base, moi, je ne pensais même pas que l'Angola devait finir même quatrième. Je le voyais finir très loin, avec 0 points, avec un goal d'avirage d'au moins, peut-être, moins 6. Tellement, je ne croyais pas à ce pays. Je ne croyais pas à l'Angola. Puis encore, ils sont opprimés devant le Burkina Faso. Et l'Algérie, les gars. Et l'Algérie, les Fennec. Tu as le Ghana. Le Ghana se fait sortir au premier tour. Ils mènent 2-0. Après, ils se font rejoindre. 2 buts partout. Ce qui provoque leur élimination. Tu as le Cap Vert, une belle surprise qui déjoue tous les pronostics. Tu as la Côte d'Ivoire qui se fait laminer par la Guinée. 4-0. Bref, cette canne est vraiment incroyable. Là où moi j'étais surpris, c'est l'élimination de l'Algérie. On ne sait pas comment l'Algérie a fait pour s'éliminer. Tu dois prendre 1 point. Autant la CAN au Cameroun, la dernière CAN, ils devaient absolument gagner leur dernier match pour se qualifier face à la Côte d'Ivoire. Ce qui n'était pas évident, autant cette CAN, il te fallait seulement prendre 1 point face à la Mauritanie. Tu n'arrives pas à prendre 1 point. Tu n'arrives pas à prendre 1 point face à la Mauritanie. Je ne sais pas comment ils ont fait, les amis. 1 point. C'est incroyable. Ça fait 5 ans que l'Algérie n'a plus jamais gagné un match en CAN. 5 ans. Leur dernière victoire date de 2019. Le sacre, évidemment. Le sacre en 2019 face au Sénégal. C'est là où date la dernière victoire de l'Algérie en CAN. Tout le reste, soit match nul, soit perte. Ça fait 5 ans que l'Algérie n'a plus gagné un match en CAN. Ça signifie qu'il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que c'est Djamel Belmadi qui n'arrive plus à trouver le bon mot pour galvaniser ces joueurs? Est-ce que ce sont les joueurs qui ne suivent plus le conseil de Djamel Belmadi? Bref, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais une chose est sûre, et l'Algérie est au fond du trou. Le football algérien est au fond du trou. Et ils doivent se poser de belles questions. Ils doivent se poser de belles questions. Tu as les cadres qui ne répondent pas présents. Je pense notamment à Riyad Mahrez. Riyad Mahrez a été
catastrophique durant cette CAN. Mahrez a été catastrophique, les gars. Catastrophique. Et il est capitaine. Il est capitaine. Un capitaine est censé montrer le bon exemple. Il est censé conduire ses troupes. On n'a pas vu un Riyad Mahrez. Je ne peux pas finir cette vidéo sans parler de la Gambie. La Gambie a failli surprendre le Cameroun. La Gambie a failli créer la surprise face au Cameroun. Une équipe de Gambie généreuse, bien organisée tactiquement, qui a causé des problèmes énormes au Cameroun, les gars. Des problèmes énormissimes. Ils ont joué avec du cœur, de l'envie. Et ça, c'est vraiment salut, les amis. Ça salue parce que cette CAN, ça montre que si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prêt physiquement, mentalement, tu vas craquer. Tu vas perdre le match. La CAN n'a rien à voir avec la Coupe du Monde ou encore, je ne sais pas trop, l'Euro. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. C'est un désordre total. Le fort tape le faible tape le fort. Bref, on ne connaît pas qui est fort, qui est faible. Si tu n'es pas en place, si tu as mes formes, si tu es moins bien, tu te fais tabasser. Tu te fais tabasser, les amis. On espère que cette CAN continuera à nous offrir du spectacle, à nous procurer des émotions. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Selon toi, quelle est ta plus belle surprise durant cette première partie de CAN, durant ces poules, ces phases de poules? Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sinon, c'est déjà très bientôt. Ciao, ciao.